Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Aguanara et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car c'est tout simplement un let's play, donc une nouvelle session sur Vintage, mais en plus de ça je suis dans live en direct. Ce que ça change c'est que les gens vont pouvoir interagir avec moi et que par même temps vous savez que maintenant vous pourrez essayer de suivre un peu les lives. Alors, je pourrais pas, je vais le faire tout le temps, mais je vais essayer de le faire de temps en temps, j'essaie de l'annoncer en amont. Donc voilà, donc si jamais vous rejoignez le live, vous n'avez pas compris grand chose, parce qu'en fait vous avez loupé deux épisodes. Mais en même temps c'est pas plus mal, vous allez apprendre comment on arrive à tout ça. Et puis voilà, alors pour vous, bah, évidemment qui regardez des vidéos sur YouTube, mais qui ne regardez pas le live, bah, vous aurez compris tout de suite, parce que vous avez eu les deux épisodes, le récap et tout ça. Et pour les autres, bah, adaptez-vous. Donc on est parti, j'ai bien envie d'essayer de passer la nuit, mais encore un peu tôt. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est différentes petites choses. Notamment, voilà, j'ai fait un mur, des quêtes à court terme, à long terme, et de ce que vous allez me proposer, aussi bien en live qu'en vidéo. Et je l'ai noté là-dessus, donc évidemment là, ça fait... deux vidéos que j'ai posté et je tourne déjà, alors je n'ai pas vu vos retours sur les deux vidéos. Notamment je vous ai demandé le nom du domaine, ben, je l'ai toujours pas, hein. Enfin j'attends qu'il arrive évidemment. Donc on va faire 100, mais je le mettrai, je ferai une bannière ou quelque chose, je sais pas, je verrai bien ce que je fais. Poursuivre, on est le 1er janvier. Il y a plusieurs trucs, j'ai trouvé un peu de solarchie de solos, les poules ont manqué de se barrer, hein. Mais elles ont bien grandi, les cochons ils ont toujours pas mis bas. Je sais pas si vous allez l'avoir vu, mais j'ai enlevé toute la tourbe ici, j'ai rebouché, normalement vous l'avez vu, mais bon. Donc on a les cochons qui sont ici, d'ailleurs je vois qu'il y a un bout de sol qui a pas été fait là. Donc on attend qu'il pète pas tout ça. Et donc voilà, donc là en attendant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les objectifs que je me suis mis. Et on sait que ça devait être lever du soleil. Alors il faudra des meilleurs outils monseigneur, tout simplement. Ça c'est dans la continuité, c'est dans le fer. On va aller chercher tout ce qui est fer, on va aller chercher tout ça. Comme vous le savez, j'ai montré sur la vidéo là, ouais, l'hématite, ça pue un peu, hein, mais bon, j'ai bon espoir. Peut-être que plus haut, non, on verra. Il y a encore toute cette zone là que j'ai pas fouillé, enfin, il y a plein d'endroits, voilà. J'ai encore toute la zone là que j'ai pas fouillé. Voilà, ça sera de la prospection, ça sera sûrement du en off, hein, parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Donc là il y a une petite faute, c'est pas grave. Des routes monseigneur, on va tout simplement rejoindre. On va faire des routes sur tout le long, hein, qui rejoignent donc nos champs, là-haut les petites étapes, pardon, chercher le nom. Le miel, la pépinière qui sera un peu plus loin. Enfin voilà, toutes nos constructions sont rejointes par des routes et au fur et à mesure qu'on construira des choses, la route fera partie des constructions à faire, à mettre en place. Le moulin, donc le moulin qui va être placé là-haut, pour l'instant j'ai rien fait du moulin. Parce que bah, il me faudra des voiles que je n'ai pas. Hein, et il me faudra construire le moulin, que bon, on a encore le temps. On a encore le temps. Mais ça va être un des objectifs de construction sur lequel je vais m'établir en premier. Et les groseilliers, hein, les groseilliers, je voudrais les déplacer tant qu'on est dans l'hiver et les aller les mettre là-bas où j'ai préparé le terrain, juste ici. Voilà, tout ça ça va être posé ici. Et objectif que j'ai pensé mais que je n'ai pas encore noté, il va falloir qu'on fasse vraiment la clôture autour de tout ça, puisque j'en ai marre que les poules dès que j'ouvre la porte se barrent. Donc voilà, donc on va attaquer à tout ça et puis on verra bien. Allez, c'est parti. On va commencer par l'objectif le plus simple, hein, qui est de placer des groseilliers, j'ai envie de te dire.
Et il nous faudra donc du coup de la terre battue. On a un peu là. Hop, je vais prendre un peu de terre normale pour faire un peu de terre battue. Avec deux stacks, on est bien. On va récupérer les rosiers. Alors, je pense que c'est quoi? Ouais, c'est la hache apparemment. Et voilà. C'est parti. Alors, on va aller poser ça. Alors, comment je vais faire mon truc? Groseillier, cassissier, j'ai envie de les séparer. Parce que ça fait vraiment des gros monticules quand ils sont l'un à côté de l'autre. On va mettre les groseilles ici. Voilà. Je voulais que ça vienne jusque là. Faire ça aussi. Donc là, on va mettre du coup les canneberges, très bien. J'ai vraiment mal compté. Hein. Le cassissier. Et enfin, les myrtilles. Et là normalement il y en manque un parce qu'on a les groseilliers blancs que je n'ai pas encore récupéré je crois. Alors du coup je vais chercher ça parce qu'il me manque un peu de buisson, je vais voir ça. Cassissier. D'accord, mais j'aurai pas tout ce que je veux. Alors, myrtille, cassissier, myrtille. Ça c'est fini, cassissier. Il manquera deux. Donc il manquera 4 camberges, 8 groseilles. Et les groseilliers blancs que je n'ai pas encore malheureusement. On va poser ça là-dedans. Ensuite on va les poser ça là-dedans. Bon, cet objectif était vraiment très simple. Hein. Il consistait juste à ça. Mais au moins j'aime bien, ça fait ordonner. Et sur la map ça se voit bien maintenant. On a les petits petits groseilliers, cassissiers, tout ça qui sont juste là. Et ils rentrent très bien en plus dans le décor. Donc, franchement, ça me plaît plutôt bien. Donc il manquera juste à faire à trouver de la groseille blanche quand j'en trouverai. Et puis, puis voilà. Et comme j'ai dit, il va nous falloir des chemins qui mènent à tout ça. Alors les chemins, j'ai bien envie de les faire de deux. On va faire un test. Je crois que ma belle pelle en bronze avait y passé. Voilà. On va déjà mettre ça en place alors.
Est-ce que je peux faire les demi-dalles Comment on fait ça déjà? Ah, c'est du sable. Merde. Sur YouTube. Parce que c'est un peu compliqué d'avoir les tours, les trucs. Ça consomme un peu beaucoup, j'ai l'impression. Alors ici. Alors ici c'est particulier parce que. Ici j'aurais presque envie déjà de. De faire en sorte que les bestiaux peuvent pas sortir en fait. Voilà. Et donc je tirerai ma truc jusque là. Ou alors je fais un arrondi. Plus comme ça là. Ouais, je peux faire ça en arrondi. Ça, ouais. Petit abreuvoir, ouais. On va faire comme ça quand même. On va allonger un peu le lac, ou alors on coupe un peu le... Voilà, clairement... On va se mettre à... Non, pas ça, ça. Voilà. Juste ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même un bordure quand même au moins. Ok. Donc on va mettre du portail là-dessus, du portillon d'ailleurs. On va mettre plusieurs à plusieurs endroits, histoire que je ne sois pas embêté. Je mets un ici. C'est pas trop mal. Moi, ouais, il y a là que c'est pas. Là, je sais pas sécurisé ici. Ok. Attends. Ah, voilà. Ça me paraît pas trop mal. Ah, si j'arrive à se barrer quand même, c'est dingue. Ouais, ça me paraît pas trop mal là. Ça me paraît pas trop mal.
Donc ça c'est fait. Alors les groseilliers c'est bon. Les routes c'est en cours. L'enclos c'est bon. Qu'est-ce que c'est chiant les feuilles temporelles, j'aime pas ça moi. Hello, c'est bien. J'ai jamais utilisé le chemin que tu utilises là. C'est quoi le craft? Ah bah attends, bouge pas. Le craft est tout simple. C'est ça. C'est celui-là, donc chemin de pierre. C'est de la terre et 4 de pierre. De poser dessus, clac clac, et ça te fait 4 je crois chemins comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. En plus ça liquide toute la pierre qui est en trop en général et c'est chiant quoi. Alors, nous allons faire le bouclier. Pour ce faire, il me faut des planches. Bouclier. D'accord, donc c'est tac, tac et tac. Nous voilà équipés d'un nouveau bouclier en pain. Et 383, c'est pas mal. Faut savoir que il y a deux fonctions pour les boucliers, si vous ne saviez pas. Il y a la fonction passive et la fonction active. La fonction passive, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, si vous juste vous portez le bouclier, ça bloque 15% des dégâts et absorbe 2 PV. La fonction active, je sais plus si le fourrier était déjà, mais je me dis vaguement quelque chose, mais certitude 50%. Le fourrier était déjà. La fonction active, c'est quand vous baissez, voilà, là vous parez. C'est pas pareil, voilà, là vous parez pas. Donc là, vous bloquez 2% des PV et 15% de chance de machin. Là, 90% de chance de parer avec 4% des 4 points de PV de parer. Voilà la fonction du bouclier. Donc, sachant que quand vous faites ça, quand vous l'avez dans la main gauche, vous pouvez avoir votre arme main droite et parer, reculer et taper en même temps. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas. Je vais poser ma bouffe là que j'ai sur moi en trop. Ouais, on se fera des tartes, on se fera tout ça plus tard. 7h19. Temporel faible. Bah, typiquement, voilà. Normalement, avec ça. Ça et le bouclier. Aucun dégât. C'est fini. Hein. Ouais. Faut forcément que ça passe. Au moment où je vous dis que c'est bon, faut forcément que ça passe. Ouais, franchement, c'est une bonne idée. Ça fait penser un peu aux Vikings qui utilisaient des boucliers ronds et qui justement se mettaient à genoux quand ils faisaient des murs de boucliers. Et ça couvrait plutôt bien, un peu comme les Spartiates aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc tout ça c'est fait. J'ai refait un peu de charbon aussi, que t'as pas dû voir. Et j'aimerais bien faire un peu d'orpaillage. Alors ça va pas être fait à regarder, mais il faut bien en faire un peu des fois.